Bonjour, bonjour là. Une conférence de presse aujourd'hui. Pour dire aux autres que aujourd'hui, cette date-là, l'histoire politique nous paye pour. Pour la première fois dans l'histoire, Maurice, Parti travailliste, MMM et PMSD peuvent joindre la force ensemble parce qu'il est crucial pour nous pays qui nous débarrasse ce gouvernement mafieux de Pravin Jagatla une fois pour toutes. Frédéric Manmouricien est capable de regagner notre liberté, capable de respirer. C'est ça la raison. Comme je connais, les trois leaders qui joignent écoute-moi, River Walk, vendredi le 7 juillet. Après un peu de temps, parce que c'est vraiment ça qu'un petit bizarre renvoyé. Nous finalisons l'accord. Donc, à confirmer que nous parlons ensemble pour l'élection. Mercredi le 12 juillet, nous rejoignons les trois leaders plus quatre membres de chaque parti pour des raisons un profil nos programmes communs et deuxièmement pour fixer nos bonnes descentes le terrain au bon congrès que nous pouvons faire à travers le pays qui éventuellement aussi les pour cumuler dans un grand meeting et ça l'équipe qui nous joignent là pour rejoindre encore là, mercredi prochain, pour capable continuer à travailler le programme. Donc, nous autres, nous pommes le congrès, nous finissons fixé. Les pour concernent circonscription numéro 11, 12 et 13. Et les pour faire le 28 juillet en mode Albert. Nous avons un deuxième congrès que nous pouvons fixer. Il vous concerne la circonscription 15, 16 et 17. Et ça, il faut en lutte de vous fixer là-dedans. Après ça, nous annonçons ben, les autres congrès, comme on dit, nous couvrons toute l'île Maurice en entier. Entre-temps, vous avez besoin aussi pour une réunion de coordination entre nous, Manazan, des trois parties, dans les circonscriptions concernées, c'est-à-dire 11, 12, 13. Après ça, 15, 16, 17. Après, nous pouvons faire, comme on dit, pour les deux. Nous pouvons rassembler parce qu'il y a un trop grand danger pour le pays. Pour avoir une jungle, tu as un suiveur, pour pas dire un chatois, tu as fini le pays. Fini. Depuis l'indépendance, 68, jamais le pays tourne dans une situation pareille. Jamais. Pas tout ce que tu as. Catastrophe, partout, pas une place, partout. Qu'il y a la drogue, qu'il y a l'honneur, qu'il y a la corruption, l'économie, bonne institution, népotisme partout, répression, gaspillage de l'argent public, quoi dire, de l'argent, ça. Et l'autre démocratie, là, il y a ça long. Pas pour qu'on rentre dans tout détail aujourd'hui. Mais les bons connaissent que c'est ça la raison pour laquelle nous tournons aujourd'hui, nous trouvons bien ensemble. Et moi, je vous dis un exemple là, parce qu'il est important, je vous dis où ça. Le lot là, pendant un jour qui passait, qui n'a pas attendu, qui n'a pas trouvé, il y a violence physique et verbale, agression, vol, crime. Il y a une bonne majorité là-dedans liée avec la drogue, hein. Pas tout, mais une bonne majorité. Deux jours de cela, le social media, je vous dis, filmé. Un individu, un gros les bras, proche d'un ministre, mon cas de qui ministre, Bobby Arigam, lui menace un policier en uniforme, violemment, s'en prend à lui. Pourquoi est-ce pas tout va trouver? Oui. Résultat qu'on est guetté là, il n'est pas pour gagner, il est protégé. C'est le policier là qui pour gagner un transfert là. Il veut y guetter. Comme ça qu'il va arriver, un policier en uniforme, on est que ça veut dire, insulter les gens du monde comme ça. Dis-moi, en public, hein, grand jour. Qui fait? Je dois protéger
tout permis pour eux. Parce que le gouvernement, les autres armées, pareil comme c'est avant l'époque, quand le baron Lalo, tu peux dire le gouvernement dans l'armée. Pour faire un rappel, comment un ministre, Kenny de nous, rentre dans une clinique, agresse un NES. Un député. Un député, lui. Agresse un NES. Qui n'a pas eu tant que chose. Mais ça qui a été pour moi, mais ça correct. Il n'arrive pas à l'arrivée. Là, vous faites un rappel de différence, parce qu'ils ont fait un complot contre moi. Bon, vous dites, où, comme moi, attendez général. Il y a un bon match à Grèce en 10 mounes. Attendez général. À 4 balles. Camarade Paul, tu lis dans l'opposition, tu poses un PMQ. Vous dites, ça crie dans ce LAM, là, probablement. Ça, à quoi ça, je vous dis, vous trouvez, tu seras en juillet, la personne, on peut faire un complot là, contre moi. Vous vous trouvez là, doucement, doucement, on peut trouver toutes les semaines. Pareil, assassinat supermania Kisnen. Tu refais au corps, c'est une suicide. Après, découvrir qu'il fait un assassinat, ce cas où je dis, non, il y a eu une autre, mais moi, ça va être tout normal, tout du monde, moi, ça va être tout correct. Là, là, mon besoin de la cause, monsieur, tout le monde, là, là, il y a un grave, grave incident. Le 6 juillet soir, c'est un jeudi, c'est là, mon camarade de la partie, puis sorti cette cascade, donc il fait une réunion, je piale vers un étal ou un pont, un loto, une bloximée. Dans le premier loto là, tiens, un ancien candidat travailliste, Danisha, son homme, et son boulot. L'autre derrière, c'est là, Nilkant Delou, avec mon grand avocat, Pil Kavi Viria. L'autre n'a pas bougé. Nilkant Delou, il descend, il dit, vous avez ça. Bouge l'autre pour nous. Et l'autre, il est venu par derrière là. Et madame Lovola, un 4x4 blanc, con ce numéro, le tout. Madame là, jouer, elle madame, jouer, il y a où dans mon territoire là, où qui besoin, d'autres qui besoin bouger là, moi bouger moi. Le téléphone, du monde, ben taper, venir avec ça, couteau, il identifie les autres, hein, menacer, agresser les autres, tirer madame Danisha depuis dans le taux, pour CV, agresser physiquement, agresser son mari. Elle a coup de sable d'une tapée, agresse une canne de loup, et jusqu'à l'air, il fait des positions, il fait tout là. Jusqu'à l'air, là, on y est. Toi, acceptable. Mais ça paye là, ça va te payer là, que nous vivons là. Vous ne trouvez, comme on peut dire, démocratie, parlement qui peut arriver. Si on dit, longtemps qu'on est, un député, bien rare suspens. Parce qu'il y a une affaire grave, ça. Député, il vient dans le parlement parce qu'il. Dis-moi une bonne chose. J'ai le droit, ça, pose question. C'est ça que j'ai là. Bien rare, un député, si ce n'est pas bien, bien rare pour nommer un député. Bien rare. Aujourd'hui, il vient de la normalité. Pas grave. Mais si ce n'est pas nommé, parfois, il nomme sans que j'ai avant si ce n'est pas tout. Pour résoudre une bonne question, légitime, parce qu'il embarrasse le gouvernement. Il est sans précédent, jamais arrivé. Là, je vais donner un seul exemple. Ousmane Mohamed. Tout le monde connaît Ousmane Mohamed. Il y a des gens qui posent ces questions tranquillement, gentiment. Il n'est pas agressif, mais il pose des questions. Là, puis on pestique carrément pose des questions. Puis nomme-lui là pour nommer pour 3 sessions. Et vous connaissez qui fait? Moi, je dis qui fait? Parce qu'il pose une question. L'Oban ambassadeur. Qu'une bizarre recall. Ils sont-ils visés parce qu'ils utilisent le recall, lui. Ouais. Et les pérots connaissent qui raison. Pour tout ambassadeur, ils m'ont dit qu'ils ont des recall. Et nous connaissons une raison écœurante. Qu'il faut qu'il y ait des recall comme ambassadeur. À la raison qu'il peut faire ça. Et vous connaissez qu'il fait, faut qu'il y ait. L'air désigné. La table, mon député passe travailliste. Connais qui nous dit à autres? Je veux qu'il faut se battre avec moi. C'est pour venir à la que je veux attaquer. Tiens-le au lit, pas tiens-le au moins. Voilà ce qu'il nous dit à mon député de travail.
Et c'est vrai dans le sens, grand responsable, c'est pas Mme Dagnat là. C'est lui qui nomme speaker. À la côte du pays aller. Bon, allez, cause trop long, ça m'a content d'abord. On va terminer, nous exprimons aussi à tous camarades pour faire pareil. Une solidarité totale avec M. Yogita Babou, syndicaliste, qui a deux enfants. Qui ne fout de haut, la cause n'est pas qu'à leur question de l'ennuyer. Une cause un peu lourde radio. Moi, j'ai envie aussi de féliciter des Jimoun, Noémie Alphonse, qui vient nous quand même une médaille, une vice-championne du monde. Je félicite lui. Avec moi, je suis content, félicite Jane Constance, parce que malgré tout ce problème qui est là, il ne réussit pas sur l'examen LLB. Et aussi, avant de terminer, je suis en dire que ça fait viol conscient encore. On trouve, on les a trouvés, CP choisir avocat qui l'a dit, il bypass DPP. Il est totalement inacceptable ça. Il compte la conscience, on les a dit, ça m'a opéré d'y aller. Et pour Amin Djanat, qui supposait l'avocat, il tout ça normal. Clairement, il n'y a pas de conscience. Sous-jugement bancal. Il n'y a pas de alors, c'est que moi, je suis là, on va aller à trop long. Et je passe la parole à la camarade. Xavier, avant, mais toi avant, moi, Xavier. C'est intéressant. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Navin. Bienvenue à tous mes camarades de la presse. Et bienvenue et bonjour à tous mes internautes qui écoutent nous directement à travers le web. Maintenant, moi aussi, donc, je welcome la formalisation de l'Alliance pour les travailleurs MMM PMSD. Et pour permettre nous, et ce qui dit que nous attendons d'ailleurs, c'est qu'ils nous descendent fortement sur le terrain et pour permettre nous à la rencontre de l'île Maurice profonde, à la rencontre des Mauriciens et les trois parties ensemble, donc, pour amener un discours fédérateur. Pour qu'ils nous assurent nous, que l'ensemble des Mauriciens, dans les quatre coins de l'île, sentent non seulement à l'aise avec l'Alliance, mais sentent qu'ils ont l'avenir est profondément lié à cette Alliance-là, au fait que, prochaines élections, cette Alliance-là arrive au pouvoir. Au fin concerné, d'ailleurs, on commence d'y aller officiellement, quelques temps de cela, on est très concerné par l'exode des Mauriciens. Dit pas nous. Moi, je me demande, moi, est-ce qu'il me tient en raison à insister que mon trois enfants retournent Maurice. Je me demande, moi, et ban parents mauriciens, tout me demande sa raison. Ban qui ne retourne Maurice, tout qui a été mauricien, de toute communauté, de toute région, de tout âge. Me demande, est-ce qu'ils ont l'avenir dans Maurice ou bien est-ce qu'ils ont l'avenir ailleurs. L'autre jour, il y a une conférence pour travail. Là-dedans, il y a une possibilité de partir au Canada, etc. Des autres pays, 10 000 du monde dérangés. Poussé à le Canada, l'Australie, les autres pays qui peuvent prendre ban migrants. Et donc, c'est un vrai problème. Et nous, besoin dire, nous, qui raison? Et une raison économique, bien sûr. Mais il y a d'autres raisons aussi. Il y a une raison de qualité de la vie. Il y a une raison de confiance dans nos institutions. Il y a une raison qui nous dégoûte à ce qui peut arriver quand nous guettons partout autour de nous. Il y a une raison de prolifération de la drogue. Du monde peut partir, qui fait pour l'éducation des autres enfants. Et je dis, je ne suis pas content, mes enfants, si moi, dans un cas assez difficile, tombe dans la drogue. Il y a des milliers de raisons qui font un Mauricien peut quitter. Et je pense profondément, sincèrement, que c'est mon devoir, et devoir de cette alliance-là, d'amener un l'espoir. Un avenir meilleur, un espoir que les choses pour changer et qu'ils nous sont capables, encore une fois, au lieu de Mauricien quitter, ce sera comme avant la diaspora qui retourne à Maurice pour aider le pays. Donc, il y a une nécessité de reprendre le pays en main, il y a une nécessité de reprendre l'institution en main, il y a une nécessité donc de redonner l'avenir, redorer l'avenir du pays. Et bien sûr, comme Navin, moi, invite tous nos partisans dans circonscription 11, 12 et 13
à nos grands congrès du 28 à Mort d'Albert. Nous sommes parle du Finance Bill. Le Finance Bill, c'était la loi extrêmement importante. Longtemps, tu peux donner un long temps. Maintenant, tu peux donner à peu près une semaine pour capable. Mon père, c'est plus de 80 la loi peut changer, comme d'habitude. Ou Getli, ce bill même, ça, les PCR là. Et dans deux, trois affaires, je suis content de dire. Le principe d'une présentation de budget, c'est que tout le monde a fait important, annonce dans le budget, et après, mettre en pratique dans Finance Bill. Et de ce fait, traditionnellement, discours dans Finance Bill est limité à seulement des affaires techniques. Si vous êtes dans le passé, longtemps, vous êtes un Finance Bill, c'est que vous mettez virgule, que vous n'êtes pas d'accord avec telles affaires. C'est très technique. Mais mardi, pas pour capable de faire un discours technique, parce que, encore une fois, tradition est chamboulée. Ce qui est dans Finance Bill, des affaires importantes, jamais pas fini mentionné dans le discours budget. Par exemple, ban changement au Bank of Mauritius Act. Par exemple, il y a un temps. Pas de mentionner. Et donc, nous trouvons nous, dans, et mon week-end, malheureusement, pas le pasteur là, pour bien que ça que la ligne, ça Finance Bill là, puis comprend, pour comprendre côte Patrick nous, côte Pierre embarrasse nous. En plus, ministère Finance, tous les ans, habitait ici un explanatory notes qui vient supposément donner plus de détails au Finance Bill pour nous capables de comprendre. Cette année-ci encore, explanatory notes délibérément occulté un changement important dans Finance Bill. Donc, nous sommes d'accord avec un député de l'opposition qui nous vient de ce Finance Bill-là, la ligne par la ligne, pour comprendre exactement. Par exemple, le gouvernement peut prendre contrôle absolu de l'Odental Council à travers une nomination additionnelle. Ministère peut mettre, il peut prendre contrôle le Medical Council. Nous tous connaissons l'importance du Medical Council. Nous trouvons là l'importance du Medical Council. Et en passant, nous saluer courage M. Nekchedi, qui vient démissionner comme chairman Medical Negligence Standing Committee. Qui fait une démissionner? Et l'indirement qui fait une démissionner? L'in démissionner parce que le ministre Jacapal fait menti dans le Parlement. À cause de ça, il fait démissionner. Il fait menti dans le Parlement. Et vous connaissez, mentir, c'est extrêmement grave dans le Parlement, parce que c'est ça la base même de notre travail, c'est la vérité. Donc, Finance Bill, c'est extrêmement important, il y a un changement pour faire, et nous avons besoin de commenter là, mardi, quand il est fini. Je rejoins mon camarade Navin concernant une grande, grande félicitation à nos bandes sportifs, surtout que nous connaissons ces bandes sportifs dans Indisport, car il est assez difficile pour. On a tout moyen pour faire le sport. Maintenant, si vous êtes handicapé, qui est ce courage additionnel? Vous avez un autre chapeau bas, surtout nous causons bien à fond, championne de 100 mètres, vice-championne du monde de 100 mètres, mais aussi un petit encouragement à Giovanni Philippe. Il a gagné brillamment une bonne qualification. Et là, il parle d'un final et d'une Maurice entier pour avec lui pour soutenir lui dans ce grand effort. Et bien sûr, Jane Constance qui, encore une fois, un exemple de courage, hein, qui aveugle, ou peut réciter une avocate, hein, ça c'est extraordinaire. Solidarité aussi avec Mme Babou, et moi j'ai l'intention de rencontrer lui cette semaine-ci pour guetter qui manière nous capable d'aider lui. Et moi, vous avez dit une autre affaire, mon parent vivait dans tout ça, malpropreté qui déroulait dans le Parlement-là. Mais, je rappelle tout à chacun, je rappelle le speaker, il y a une poste constitutionnelle, moi j'ai une poste constitutionnelle. Leader de l'opposition, c'est une poste constitutionnelle. Là, la loi prévoit qui manière pour nommer leader de l'opposition. Leader de l'opposition, il y a un soutien tout ce ban député dans le Parlement. Ça, c'est une affaire. Mais leader de l'opposition, il n'a pas une prérogative que personne d'autre paye. Et plus grand prérogative de l'opposition, c'est pose PNQ. C'est pose PNQ. Et ça, PNQ là, parce que le ministre parti là, moi je donne ce préavis la veille pour faire connaître. Parce que je connais le ministre là, un peu gauche, pas pour comprendre trop, mais je finis de faire le connaître la veille, mais le Parlement peut fermer. Il y a un dossier important, vous pouvez poser. Parce que le ministre là, puis ils ont voyagé, tous les deux jours ils voyagent, mais ici nous n'avons pas d'informations. Donc, et
un minimum d'égard et de respect bizarrement dans la vie et pour la personne, mais un minimum d'égard et de respect bizarrement pour la Constitution. Et ben, des gens qui permettent d'autres, tel le président de l'Assemblée nationale, manque de regard au leader de l'opposition, c'est un manque de regard à la Constitution lui-même de l'île Maurice. Merci beaucoup. Maintenant, plaisir de passer la parole à camarade Paul. Merci. Vous saluez mon journaliste et mon internaute. Merci pour votre présence. Je m'associe moi totalement avec ce qui est le leader du Parti travailliste et le leader du PMSD fin de dire en ce qui concerne dans quel état nos pays étaient et l'alliance qui aujourd'hui nous confirmait devant les autres nous parle ensemble. Le Parti travailliste, le MMM, le PMSD nous parle ensemble dans la prochaine élection générale. Et dans sa lutte-là, nous pouvons accélérer les choses. Avant tout, au niveau programme, comment Enavine et Xavier nous dire, chaque parti, il y en a 5 dimons, il y en a plus, il y en a moins, mais il y en a 5 dimons qui besoin chaque quinzaine. Nous faisons demande à chacun des 3 partis de soumettre les autres bonnes propositions qui nous vous mettent dans le programme électoral travailliste MMM PMSD. Nous prenons le temps, Léa, nous pour faire une fusion de toutes ces bonnes propositions-là, surtout quand l'élection générale va approcher. Là, pour le moment, chaque parti peut soumettre sa bonne priorité, sa bonne proposition, sa bonne suggestion, et nous pouvons tous les 2 semaines. Mais nous ne pouvons pas juste préparer un programme, nous pouvons descendre au terrain, comme le leader du Parti travailliste et le leader du PMSD, dire à la fin du mois, démarrer à sa séance de speaker. S'il faut qu'il y ait semaine après semaine, sitting après semaine, sitting, viol ou parlement, c'est à cause de Pravin Jagnat. Jamais faudrait la population oublier ça. Pravin Jagnat, pas vaut une casse, un sou de plus qu'il faut qu'il y ait. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait, il est dégoût dans la population, il a risé de la population. Mais m'aurait dit Ali, Pravin Jagnat, pas vaut une casse, un sou de plus qu'il faut qu'il y ait. C'est lui qui choisit à Fokir, c'est s'il lit qui ne choisit à Fokir et qui soutient Fokir, sitting après sitting. Comment Xavier nous dit, surtout, ben quelque chose sans précédent, une derrière l'autre. L'autre.